Le marché parisien a basculé dans le rouge ce midi, avec un CAC 40 désormais en repli de 0,4%. La hausse de l'euro face au dollar pèse sur le titre Safran ce midi qui cède 1,4%, lanterne rouge du CAC 40, devant Airbus Group, moins 0,9%. Vivendi est victime de son côté d'une note de Citigroup qui est passée à la vente ce matin. Et Hermès cède 2% dans le sillage de la publication de ses résultats semestriels, pourtant en nette hausse. Et à l'inverse, les valeurs pétrolières bénéficient de la poursuite de la remontée du baril de brut. Total engrange 1,3% et Technip plus 1,9%. Les actions Bolloré et Havas s'inscrivent en nette hausse ce midi au lendemain de la publication de leurs résultats semestriels jugés solides. Havas a enregistré au deuxième trimestre un chiffre d'affaires de 565 millions d'euros en croissance organique de 5,5%. Le résultat opérationnel affiche une hausse de plus de 13%. De son côté, Bolloré, qui détient 60% du groupe publicitaire, a annoncé une hausse de 5% de ses revenus et a engrangé un résultat net de 552 millions d'euros, 2,5 fois supérieur à celui du premier semestre 2014, grâce aux dividendes reçus de Vivendi. C'est la fin de ce flash, prochain rendez-vous à 18h pour le point hebdomadaire.